chaudronnier, c'est partir d'une tôle de métal à plat, la mettre en forme, suivre la demande du client par rapport à un plan. J'ai commencé par un CAP, ensuite j'ai fait un bac TCI, donc technicien en chaudronnerie industrielle, et après j'ai fait un BTS CRCI, donc je me suis inscrit à une porte ouverte. J'ai fait mon dossier d'inscription ici même. Ils essayent de faire au maximum qu'on se sente le mieux possible dans l'établissement. J'ai pu partir 2 semaines en Angleterre. C'est vraiment un bon souvenir parce qu'on a vu une autre façon de travailler. Je suis en CDI dans une entreprise qui travaille pour la défense et l'aviation. C'est assez varié et il y aura toujours du boulot et on peut avoir beaucoup de travail en équipe. Ça peut être un métier dangereux si on ne fait pas attention, si on ne porte pas nos OPI. Un salaire de chaudronnier soudeur, début de carrière, ça peut demander entre 1700 et 2100 net par mois. On peut évoluer, il suffit d'être demandeur, de faire une formation et le métier s'agrandit encore et avoir des responsabilités. Et même après, pourquoi pas être chef de son entreprise. C'est vraiment d'avoir vu ce qu'on peut faire à partir d'une tôle de métal et les pièces qu'on peut faire. Je voulais vraiment voir ce que je faisais avec mes mains. Voir un peu le métier de chaudronnier un peu brut où il faut taper, mais à la fin, il faut avoir une finition exemplaire. J'ai participé au War Skills dans le métier de soudage. J'ai vraiment apprécié de faire ce concours. Donc, au niveau régional, j'ai eu la médaille d'or. Au national, j'ai fait 5e médaille d'excellence.